Yeah.
parce que nous menons une vie qui est équilibrée. Parce que les ont une bonne santé physiquement et une bonne santé spirituellement, nous menons une vie qui est équilibrée. C'est ça que fait, moi, toujours content tous les matins pour me capable d'encourager. Pour nous venir prendre et manger ça ensemble parce que c'est bon pour nous. Et depuis que nous sommes en bonne santé, l'esprit est en bonne santé. Même si le corps est malade, mais il n'est pas qu'à dominer son âme. Parce que le plus souvent, croire qu'on vient nous trouver le plus malade, c'est l'esprit qui est malade. Avec un âme en bonne santé, même si le corps est malade, non seulement pas qu'à atteindre l'esprit avec un âme, mais tout l'esprit avec un âme qui est en bonne santé, il fait effet sur le corps physique. Et ça fait nous dire le Seigneur merci pour le moment béni c'est la yo que lui fait nous cadeau. Il y a plein de monde qui toujours pensait que c'est seulement les gens qui ont bel argent, bel caille qui ont béni. Qui te dit aux amis, ça c'est une partie de bénédiction. Mais ça n'est seulement pas bénédiction. Nous faisons partie de bénédiction, c'est une partie. Nous sommes partis dans la bénédiction, mais nous pas bénédiction seulement. Parce qu'il y a plein de monde qui peut gagner ni bel caille. Et puis l'argent, mais il est béni. Il y a plein de monde qui a une belle caille, et puis l'argent, il n'est pas en bonne santé, et l'argent que vous avez, il n'est pas capable de santé. Et surtout, c'est la vie qui n'a pas une relation avec mon Dieu. C'est ça que mes frères et sœurs, au moment de la prière, c'est un moment de bénédiction que l'il y a pour nous. Que vous avez une possibilité pour passer un petit temps en présence de mon Dieu. C'est un moment qui est vraiment utile et béni. Parce que nous connaissons dans Pierre, dans le livre Pierre, je t'ai dit ça semaine passée, là nous avons parlé du temps mon Dieu. La vie d'Abraham, que mon tap dit que un jour c'est encore 1000 ans pour bon Dieu, et 1000 ans c'est encore un jour pour bon Dieu. Ça veut dire qu'on passe un petit temps la caille, mon Dieu. Livre dit en pire. Maintenant, nous faisons louange pour le Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu encore une fois pour ce nouveau jour. Jeudi 1 qui c'est 2 mars 2022, soit troisième mois de l'année, deuxième jour dans troisième mois de cette année. Le Seigneur est digne de louange, mes frères et sœurs, parce que nous ne pouvons pas penser si nous avons toujours ça dans l'année. Mais puisque le Seigneur protège la vie, nous, il a toujours quitté le souffle de vie dans nous, nous devons faire louange pour lui. Mes frères et sœurs, nous devons dire le Seigneur merci. Nous devons dire merci. Car la parole dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire, loue l'Éternel, puisque nous avons respiré, nous devons le Seigneur, l'ouvrage. Comme avec ce noyau, maintenant nous voulons faire un petit palier avec vous, sous Grand Moussa, ou bien deux Grand Moussa, qui c'est la patience et la persévérance. Depuis 3 semaines environ, ça fait une 4e semaine, depuis nous avons parlé autour de la promesse de Dieu et
d'Abraham pour nous être capables de ensemble avec vous. Comment promesse bon Dieu déroulée dans la vie. Et pour te prouver combien on est capable d'appuyer sur mon Dieu, depuis le faire aux promesses, on met appuyé sur lui aveuglement. Parce que promesse est certaine et vérité. Maintenant, amis, nous voulons faire parler ensemble avec vous autour de la patience et la persévérance. Parce que les nous bien analyser comment bon Dieu travaille, nous trouver les nécessaires pour nous capables d'encourager pour que patience et persévérance. Bien sûr, de pour que patience et persévérance, on a la foi. Ça veut dire Mosayon. Yo marcher ensemble. C'est toi, mon ami. Patience, persévérance et la foi. Nous gardons que, ma bien-aimée, dans Genèse chapitre 12, quand que le Seigneur te fait appel à Abraham, il demandait pour te quitter Kaili, pour te quitter Patrili, la Kaili papale, la vallée dans le pays qu'on te l'avait montré. Et tout de suite, après le film dit ça, et puis le tout fait à Abraham promesse, il dit, va faire devenir une grande nation. Nous va faire devenir une grande nation. Et côté rivière, moi va bénir monde qui bénir et moi va maudire monde qui maudire. Abraham était âgé de 75 ans. Depuis Genèse chapitre 12. Mais bien aimé, nous voyons que promesse à pour 25 ans avant l'accomplir. Ça, les points 25 ans après avant l'accomplir. Peut-être en pile formellement ça m'avait, nous avons interprété silence, mon Dieu, c'est un coup de désister. Nous avons interprété silence, mon Dieu, c'est un coup de désister pour nous. Parce que nous-mêmes, nous toujours aimons bagaille, coule chaud cuite. Mais maintenant, les amis, je vais faire connaître que promesse, mon Dieu, promesse, mon Dieu, sous la vie au monde pas souvent accomplie, rapide. Promesse, mon Dieu, sous la vie Abraham te prend 25 ans pour te accoucher. Et cela veut dire que pour commencement, promesse, là, tu es capable. Réalisé. 25 ans. Pendant ces 25 ans, nous voyons que Sarah a été poussée Abraham dans les bras d'Agar, sa servante. Il était poussé Abraham parce que dans l'impatience, il était pensé que bon Dieu t'a oublié. Il était poussé Abraham à le jouer Agar. Parce que lui dit sans doute, c'est papa lui-même promesse sa poêle pour le réaliser. Dans Genèse chapitre 16, et puis nous voyons, malgré Abraham qui est allé vers Agar, il fait Ismaël, mais le Seigneur t'a toujours dit Abraham, c'est papa Ismaël. C'est papa Ismaël, non? Que postérité ou la poêle sortie. Fois moi-même ensemble avec vous, là nous n'en plein mon Dieu, nous interprétons silence mon Dieu, c'est comme s'il était désisté. Maintenant, moi je voulais faire reconnaître que silence mon Dieu, pas veut dire désister. Silence mon Dieu, plus facile je voulais dire que la former. Or, dans l'intervalle que le Seigneur a formé, on a besoin d'un pile patience. Besoin de persévérance accompagnée de gros potorigmes qui viennent la foi. Mes frères et sœurs, 25 ans après, peut-être nous avons dit que le bon Dieu de Galilée, ouais, que Sarah était poussée Marie dans la servante là, bon Dieu était qu'à marcher plus pressé pour te faire ça la fête. Mais non.
Bon Dieu, pas te marcher plus pressé. Et ça qui t'arrive, fait là, pas te impressionner, mon Dieu, non plus. Ça va te faire, bon Dieu, fait ça la faire avant l'heure. Parce que bon Dieu, il y a un temps lui fixé pour chaque bagaille. Moi, ça m'avait pour le plus souvent. Nous perdu patience pendant que nous avons des exemples devant chez nous que nous t'a utiliser qui t'a bailler nous patience. Ne nous prenons pas exemple yon graine que nous pourrons laguer dans la terre. Même jour la graine ça dans la terre ou la gueule avec une espérance. Moun qui compte planter la terre a bien comprendre ça que m'a dit. Là où semer avec un espoir pour capable récolter un jour, mais ou pas récolter même jour que vous faites semence là, ou pas récolter même jour mettez graines dans la terre. Là où fait mettez graines dans la terre, il y a besoin d'un temps d'arrosage, faut qu'il arrose. Même graine ça besoin un temps pour le capable transformer avant que le pousser germe là, pour germe dans sortir dans lui et pour germe ça va grandir de en bas terre étant pour percer la terre monter ensuite pour le capable continuer grandir jusqu'à ce qu'elle porte fruit. En plus fois moi même ensemble avec vous nous gain ça comme exemple devant nous, mais malgré tout nous pas de patience. Maintenant, amis, moi veux dire au cœur, ou besoin de en pile patience, le roi vive dans la promesse de Dieu. Dans Genèse chapitre 37 jusqu'à 50, la parole de Dieu raconte l'histoire de la vie de Joseph, mes bien-aimés. Là, nous prenons la vie de Joseph comme un exemple que le Seigneur t'a gagné plein pour te faire devenu premier ministre. Mais qui aurait cru que Joseph t'a entré en Égypte comme esclave? Nous pensons que le Seigneur t'a dit, bon, qui t'est entré en Égypte pour tout citoyen, et puis ma foule, l'autre route, il y a qui différent. Mais non. Bon Dieu t'a quitté que Joseph t'a vendu comme esclave. À travers esclave que lui vend comme esclave, c'est ça qui mène en Égypte. Moi, je veux dire aux amis, en pile fois, c'est pas toutes les où est route la patra, c'est clair devant que pas de route. Ou bien que lui est possible pour de route. Là, on prend le cas des enfants d'Israël qui devine trouver face à la mer rouge. Pendant que Pharaon derrière eux, et nous dans un désert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité pour eux échapper. Mais là, on prend le saut pour garder la mer rouge, ou pas de possibilité pour garder une route qui nous fait. Mais par contre, le Seigneur te fait une route. Moi, dis ça matin, c'est juste pour moi capable de montrer que ce n'est pas tout l'air ou pas de côté pour passer, pour penser que nous, que pas de possibilité pour une route qui fait. Ça qui va le faire comprendre que même dans les possibilités de l'homme, que bon Dieu qui a fait yon bagay, c'est la foi. C'est ça qui fait mes bien-aimés ou besoin de sacrer les patience, persévérance et la foi. Parce que dans Hébreux 11, la parole de Dieu dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Son bagage que vous espérez, qui peut convenir, mais avec les yeux de la foi, on déjà oué. Ce n'est pas toutes les ou pas les routes qui veulent dire pas gagner route. Ce n'est pas toutes les ou pas les routes qui veulent dire bon Dieu pas qu'à faire route. Donc sans persévérance et la foi, on va arriver à mi-chemin, on tombe.
Sarah te poussé Abraham dans bras bon Dieu dans bras Agar. Malgré bêtise ça t'est venu commettre, ça pas t'est fait mon Dieu fait ça t'est fait pour Abraham avant tant que t'est fixé. Matin, moi veux dire que le Seigneur a un temps de fixer pour chaque bagaille. Les promesses sur la vie, c'est vrai. Mais il y a un temps de fixer pour être capable de régler les causes. C'est pas parce que mon Dieu a oublié. Silence, mon Dieu, pas vrai dire que le désister. Silence, mon Dieu, pas vrai dire que le oublié. Silence, mon Dieu, pas vrai dire que l'y abandonné. Mes frères et sœurs. Silence, il pas vle dit que l'y abandonné. En plus fois, c'est ça nous mettons dans l'esprit, nous, que le Seigneur abandonné nous. Et dans Hébreu 13, verset 5, la parole de Dieu dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur par chambre quitter oh, mes frères et sœurs. Le Seigneur par chambre abandonné. Oh. En plus fois, nous interprétons silence, mon Dieu mal. Zamim, bon Dieu pas qu'à la gueule une grosse bénédiction dans mes mains sans que le pas former caractère. Sans que le pas bon maturité. Bon Dieu, papa qui te promesse l'accompli, pas faire l'accompli dans la vie sans que le pas préparer ou mettre là. Et dans le moment de préparation, ça y est, mes frères et sœurs, qu'on gagne en pile grand Dieu. Qu'on gagne en pile souffrance. Qu'on gagne en pile tribulation. Mais le Seigneur, pas délaissé au lit, pas abandonné. C'est ça qu'il dit dans Hébreu 13, verset 5. Ou pas besoin de peur, amis. Ou mettre qui tes yeux fixés sous mon Dieu. Qui tes yeux fixés sous mon Dieu. On nous prend un deuxième exemple, mes frères et sœurs, sur la vie de David. L'Éternel fit rejeter Saül depuis dans 1 Samuel chapitre 15. L'y fait rouer David dans 1 Samuel chapitre 16. Jusqu'à 1 Samuel chapitre 31, David pour que j'aime commencer à régner. Et ceci, mon lit pour le remplacer comme moi, David vit servir comme un serviteur. En plus, fois, nous manquons sagesse. Nous manquons sagesse. Gim bagay le ou vini sou ou tout, le ou pas comprendre yo. Allez dans la prière, mande bon Dieu, qui ça a passé? Dis bon Dieu, ouvre les yeux. David fin oué comme moi. Pour l'entrée la caille Saül, li entre en tant que monde qui peut le jouer flûte, qui peut le jouer rap. Pour Saül. Et Saül vient choisir pour mettre David au service de lui. C'est pas même côté, c'est pas même côté David te finoué, il était tout roi. David était tout roi, même pas te co-régné. C'est pas même côté, il était tout entré dans les affaires pour te tout commencer à régner. Mes frères et sœurs, nous payons patience, et patience c'est le fruit de l'esprit que l'on est. On regarde dans Galates 5, on va joindre ça. Dans le chemin dans Galates 5, je crois que c'est verset 22, parmi les fruits de l'esprit. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Moi, ensemble avec vous, en plus fois, puisque nous pas de patience, nous interprétons silence, mon Dieu mal. Maintenant, nous venons encourager pour gagner patience. Parce que ce n'est pas toute promesse, mon Dieu, gagné sur la vie qui accomplit du jour au lendemain. Abraham était en 25 ans. Joseph était vendu comme esclave. Comme esclave, il entrait en Égypte. L'El rivière joint grâce dans Dieu Potiphar, là, le travail, la caille Potiphar, pour le capable de servir Potiphar. Madame Potiphar vient tenter, lui courir, et puis Madame Potiphar accusé de serviteur, lui aller dans la prison. C'est de prison alors
que le Seigneur va lever leur dignité. Mes frères et sœurs, en pile fois qui te me dit la vie a un pile couble la donne. Le Seigneur fait vivre dit un pile couble la donne. Ou à penser que c'est retourné ou à retourner tant que c'est la façon de commencer. Et pourtant c'est pas vrai. C'est route là qui est comme ça parce que le Seigneur a formé caractère. Matéan m'a rappelé encore que silence bon Dieu pas veut dire que oublier. Silence bon Dieu pas veut dire que l'abandonner. Non. On nous gourmet pour nous capables de gagner patience. Là, nous prenons trois gros autorités, ça, trois gros, comme des gaz à patriarche, ça y est, à travers la Bible. Ils ont quitté des exemples pour nous. Dans Hébreu 10, verset 36, la parole de Dieu dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de persévérance pour nous capables de vivre dans la promesse de Dieu. C'est une prophétie que tant déjà fixée pour lui. Je te dis ça hier. La marche vers son terme, elle s'accomplira certainement. Mais pas oublier la donne, dit si elle tarde, attends-la. Ça veut dire si elle mise en route, tant mis. Mais elle n'a pas accompli. Elle n'a pas accompli certainement. Pendant que vous attendez, dans l'attente, il y a un pile de bagages qui sont passés comme des deux dans Dieu. Mais ça ne veut pas dire que mon Dieu oublie. Ça ne veut pas dire que mon Dieu oublie, frère avec Seigneur. Ça ne veut pas dire que mon Dieu oublie. Dans Romains 12, verset 12, la parole de Dieu dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ou besoin de persévérance. Ou besoin de patience. Pour quitter Dieu fixé sur bon Dieu là. Avec un pile de patience et persévérance. Car bon Dieu ne pas oublier et bon Dieu ne pas abandonner. Et là, ça, c'est bien aimé, les promesses, bon Dieu, va finir accompli dans la ville. On va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. On va dire ça avec la tête haute. Il y a un peu de monde qui finit pas, passer de haut étape avec l'autre. Il y a un monde qui n'a pas qu'à lever tête devant eux. Parce qu'ils ont commis trop de bêtises dans le manque de patience. Matéan m'a encouragé aux amis. M'a pas encouragé pour gagner patience. Vous pouvez gagner patience, l'air va vivre la promesse, mon Dieu. Parce que bagay yo pas toujours facile. Yo pas été facile pour David. David te courir en pile devant Saül. Yo pas été facile pour Abraham non plus. Yo pas été facile pour Joseph. Mais avec patience et persévérance, la promesse de Dieu te finit par marcher dans la vie. Il te finit par accomplir dans la vie. Mais bien aimé, ou même tout, si on prend patience, gagner avec la tête haute, avec la tête haute, on va dire j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Maintenant, tu trouves les importants pour te faire parler sans ça avec vous. Autour de que nous saillons. Pour être capable d'encourager mes bien-aimés. Parce que ce n'est pas toujours facile, non? Ce n'est pas toujours facile. Dans la vie, les bons Dieu fait au bout de la vie, ce n'est pas toujours facile. Mais de vous avoir patience, ou de persévérance, ou de la foi, avec la tête haute, ou bon Dieu. Bon Dieu va accomplir promesse dans la vie autant fixée. Mais bien-aimés, pas besoin de décourager. Bon Dieu fixe un temps pour ça. Ou pas mourir sans qu'on parle la promesse de Dieu accomplie dans la vie. Non, amis, pas de monde qui t'a défié plein bon Dieu sur la vie. Pas de monde qui t'a bloqué plein bon Dieu sur la vie. Pas de monde qui t'a empêché bon Dieu accomplir promesse sur la vie. Une seule chose. Au besoin de patience. Persévérance. De la prière. Au besoin. Pour nous prier le Seigneur ensemble.
ciel et qui a dominé sous la terre. Matin, encore une fois, c'est avec un peu de reconnaissance, nous entrons dans la présence pour nous venir dire merci. Nous venons dire merci encore une fois pour ce nouveau jour et pour nous dire merci pour le souffle de vie. Merci parce que nous vivons toujours, Seigneur, en dépit de toute fatigue que nous sommes capables de gagner. Mais nous venons parce que nous aidons à faire violence au corps, nous, pour nous capables de passer dans la présence. Éternel, notre Seigneur, matin encore, nous venons dire merci pour bonté et miséricorde qui va jamais finir et qui toujours renouvelle dans la vie chaque matin. Oh, nous rendons action de grâce, Seigneur, pour tout bien faire dans la vie. Et nous bénissons également, mon Dieu, pour puissance, pour pouvoir ou avec autorité. Oh Seigneur, nous levons bien haut, nous salmodions la terre. Parce que non, c'est un nom qui si doux, mais les chasser toute tristesse, les guérir malade. Oh, pas gagner si bon nom. Nous, quand c'est pour nous chanter nos chants d'espérance dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus tôt. Et maintenant, nous bénissons ce gros nom. Nous salmodions, nous levons les bien haut. Parce que depuis ce temps, c'est là, je crie sous terre, pas jamais un autre nom qui est si grand comme le nom de Jésus-Christ. Maintenant, mon Dieu, nous disons merci. Merci encore une fois, Seigneur. Pour Seigneur Dieu, parole-nous, que ou toujours éternel notre Seigneur, ou à utiliser comme lumière pour éclairer le chemin. Merci parce que matin, ou t'abras les oreilles, non, pour que nous capables de patience, parce que la patience est un fruit de l'esprit. Bon Dieu, nous avons l'impression, à chaque fois que nous voulons, même, et faire un petit, appuyer dans le sens pour nous t'avoir tomber, faire un petit pencher pour nous t'avoir tomber, ou qu'on fait en sorte que redresser nous avec parole. Y'a l'amour comme ça, nous pas qu'à suspendre, dire merci pour lui, parce que Seigneur, oh, l'amour ça, il est si grand, il est si fort, Seigneur, nous pas qu'à suspendre, béni non, pour lui. Nous disons merci parce que matin, vous tirez sort et nous, comment nous devons avoir patience, nous devons avoir persévérance avec des versets à l'appui, mon Dieu, pour nous capables d'avoir patience et persévérance. Parce que Abraham t'étend 25 ans avant que promesse ou t'es accouché dans la ville. Éternel notre Dieu, Joseph t'es accepté d'entrer en Égypte comme esclave et de esclave pour t'as travail comme serviteur. La caille Potiphar de serviteur pour t'aller dans la prison, pour t'aller traiter comme des prisonniers. Ensuite, pour t'es capable de lever le Seigneur Dieu dans la gloire, pour t'es lever, pour t'es faire briller. David également, t'es finoué depuis Samuel chapitre 16, les finoué jusqu'à Samuel chapitre 31, les pâtes que j'aime commencer à régner comme moi, alors qu'on t'a choisi pour moi. Et il dit entré, Seigneur Dieu, et dans la cour royale là, en tant que yon sept serviteur. Pendant qu'on est fin choisi. En plus, foi, mon Dieu, nous pas de sagesse pour nous comprendre que c'est où tu dois faire ensemble avec nous, hein, qui comme ça. Pour nous comprendre ces façons qu'on utilise pour capable apprendre nous des leçons, pour former caractère, nous, hein, qui comme ça. Et puis, par manque de patience, nous faisons ça, nous pas t'a nous fait. Matéan, mon Dieu, nous a prié où, dans le nom de Jésus, pour qu'à faire nous qu'à nous patience, mon Dieu, parce que nous sentis que, au sous-point pour faire un bagage nouveau, pour nous, Seigneur. Il y a l'autre bagaille que nous pouvons jamais vivre. Nous sentions une vibration, Seigneur, que nous avons bagaille tout neuf qui peut le faire dans la vie. Nous. Mais il demande pour nous une grâce, patience en plus. Il demande pour nous une grâce, patience en pile. Parce que dans Habakkuk 2, verset 3, pendant que parole nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mais il dit aussi, elle tarde. Attends là. Seigneur, pendant que nous en attente, là,
Gen pile problème, gen pile souffrance qui arrive. Mais pour nous pas laguer, n'a besoin de patience, n'a besoin de persévérance. Oh matin, nous prions au Seigneur parce que parole nous dit tout ça que nous va demander dans le nom de Jésus que nous va recevoir. Oh matin, nous demander au nom de Jésus, fais-nous cadeau de patience, persévérance avec la foi. Oh sans la foi, nul n'est agréable, Seigneur, à toi. Sans la foi, personne n'est pas agréable devant Dieu. Maintenant, s'il vous plaît, fais-nous cadeau la foi, mon Dieu. Fais-nous cadeau la foi, s'il vous plaît. Fais-nous cadeau la foi. Parce que sans la foi, nous n'est pas agréable devant Dieu. Sans la foi, nous pas qu'à invisible, nous pas qu'à sa vie pour nous, hein? Parce que parole nous fait nous connaître dans Hébreux 11. Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh Seigneur, sans la foi, nous pas qu'à ouais, nous pas qu'à ouais, ça qu'a venu pour nous, hein? Bien qu'en plus fois, nous pas qu'à comprendre nous. Mais nous pas de problème pour nous pas comprendre nous. Il suffit que vous-même, ou d'accord sur la façon que nous vivons là. Oh bon Dieu, souple matin, fais-nous cadeau la foi avec persévérance dans la vie. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans la promesse là sans vous. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce matin, fais-nous cadeau. Fais-nous grâce matin, bon Dieu fidèle. Fais-nous cadeau, patience avec la foi. Oh, c'est le but de prière, nous devons au matin. Parce que, Seigneur, pour mes soins, ils sont sur le point d'accomplir, bon Dieu. Mais nous seulement besoin de patience en plus. Pour quelle raison? Parce que nous sentons que lui fait nous en pile, Seigneur. Et depuis le fait nous en pile, qu'on est pas le fait jour. Mais nous avons patience en plus. Pour que, bon Dieu, nous sommes capables de supporter. Nous capables de supporter, mon Dieu. Dès des moments, fais-nous en ça. Et là, nous va arriver dans le moment où que promesse soit accomplie sous la vie. Nous allons va non seulement recevoir avec joie, mais nous va vivre la donner tout, bon Dieu, avec la tête haute, sans que nous ne pas monde depuis nous pour nous baisser la tête devant nous. Fais ça pour nous, mon Dieu. Pendant que nous continuons à prier pour capable guider nous, pour capable conduire nous, orienter nous. T'en prie, pas quitter nous seuls, t'as pour Jean parole nous dire la Seigneur. Oh matin, merci parce que tu vas assurer nous avec parole ça. Qu'on ne peut pas quitter nous seuls, ou pas abandonner nous. Seigneur, pendant que vous continuez à conduire nous, à continuer à mener nous, bon Dieu, s'il vous plaît, donne-nous la foi, donne-nous patience. Seigneur, ma terre, nous ne pouvons pas oublier, faire avec ce nous qui sont dans l'hôpital. Nous prions pour pouvoir visiter nous, bon Dieu. C'est là où qui sont en opération dans le moment. C'est là où, bon Dieu, qui pague l'autre coup, l'autre secours que vous-même seul. Bien que, Seigneur, il y a des possibilités pour que le Seigneur fasse une série de bagailles. Mais il connaît en réalité, c'est vous qui guérit. Ce n'est pas médecin en réalité qui guérit, ce n'est pas médicament qui guérit, mais c'est vous qui guérit. Bon Dieu, souple, matin, visitez-vous. Visitez Timounio, Seigneur. C'est mon Dieu qui a grandi dans un monde dépavré, Seigneur. Monde ça, Seigneur. Oh, aujourd'hui, à nous camper deux bras balancés. C'est seulement espoir que nous gagnons. Visitez tout le monde avec nous. Nous sommes intouchables, inattaquables. Visitez ceux-là qui persécutent. Visitez ceux-là qui ont fait face avec difficulté par eux. Parce qu'ils peuvent faire jour pour eux. Visitez eux, mon Dieu. Pour que nous avons la foi et nous-mêmes, nous continuons à glorifier nous. Ou même, bon Dieu, qui sait. Qu'à vivre et qu'à prévenir au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni, on fait avec ce maillot. Bon Dieu béni, on va te compter avec vous matin pour nous passer du temps dans la présence de mon Dieu. Pour nous te nourrir avec l'esprit nous matin. Oh, que moment de prière, ça va être un sujet de bénédiction pour vous. Que mon Dieu béni, on et m'a continué à remercier vous-même qui a continué à supporter nous pendant que vous avez nous partager le moment de prière. Ça. Merci à vous-même tout. Qui a abonné avec Chanel là, nous bénis le nom de Dieu parce que chaque jour, nous, Chanel là, grandit. Nous faisons louange pour le Seigneur. Continuez de nous faire ça. Si on a support que nous demandons, continuez de nous faire ça. Pendant qu'on partage le moment et pendant qu'on continue à abonner à Chanel là. Mon Dieu bénis, sans Jésus couvrir, nous quittons avec musique sa matin. C'est par la foi que nous avons un sujet de bénédiction pour nous. Que le Seigneur continue à fortifier nous. Que le Seigneur continue à accompagner ou guider ou que le Seigneur continue à conduire ou. Parmi ces amis ou soeurs tous ceux qui toujours avec vous à vos tables à tous les matins. Que mon Dieu bénisse ou, que mon Dieu couvre ou passe une bonne journée avec Jésus. Shalom, shalom.
Thank you.